Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Black Myth: Wukong pour voir où trouver le sort Touffe de Multiplicité qui est assez incontournable quand même, c'est le quatrième sort du jeu qui permet de créer des clones et de rooster les boss en 10 contre 1. Et pour ça, on va se rendre au chapitre 2 et on va voyager à Crête du Vent Jaune, Falaise de l'Effroi, Plateau de Roche Tranquille. Donc pour rappel, pour s'y rendre, il y a un feu qui est obligatoire, c'est au village de Porte-Sable, à la vallée du désespoir. Vous allez en face traverser le pont et vous passez sous une grande arche, c'est tout droit. Et vous allez débloquer Falaise de l'Effroi, Tanière des Bourrasques et puis un peu plus loin, le plateau de Roche Tranquille. Ok. Maintenant qu'on est là, on va aller à gauche. Donc ici, il y a la quête du sanglier ivre en face. Nous, on va à gauche. Là, il y a un boss qui est pas trop compliqué. On va en face. À droite, là, il y a un feu. On va ici, c'est le chemin. On va longer la droite. Par là. Et là, on va faire une grande glissade. Il faut aller tout en bas. J'ai pas essayé, genre, de sauter ici, par exemple. Non, c'est un mur invisible ou pas? C'est pas un mur invisible, ok. Donc, je rappelle, il faut aller tout en bas. Là, j'y vais juste par curiosité parce que j'ai manqué le chemin tout à l'heure. Je vois qu'il y a un coffre ici. C'est trop bizarre. Hop, en fait, la caméra me pousse sur la droite. Je vais tuer le mob, récupérer ce coffre. C'est quoi? Noyau, sang de taureau, ok. On reprend notre route, on se met invisible, comme ça on nous fout la paix. Et on va tout en bas. En arrivant ici, vous sauvegardez au feu, mais juste avant de sauvegarder, il va y avoir une cinématique qui va se lancer. Et il y a le PNJ qu'on a vu en entrant dans le chapitre, qui décide seulement maintenant de nous donner le sort, alors qu'il a depuis le début sur lui. Voilà. Mais il va nous donner le sort en question. C'est tout. Et on sauvegarde. Voilà, en tout cas, si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à soutenir la chaîne au travers du Tipeee, ça aiderait beaucoup à son développement. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!